Bonjour les petits féraux, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non je ne l'ai pas dit, désolé, je me trompe. On se retrouve au passage à niveau PN19 à Butry-sur-Oise. Je vais vous faire visiter les lieux. Donc de ce côté-ci, nous avons le côté nord de la ligne. Donc en direction de Persan-Beaumont et de Creil. Là-bas, on est à la gare de Valmondois. Et là-bas, c'est côté sud, direction Pontoise ou Paris. Donc, tout à l'heure, j'ai eu le fret Colarail. Donc c'est un très beau fret. Et je me suis dit, purée, je vais le rater. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Je l'ai eu. Et là-bas, même pas 300 mètres, là-bas, au fond, il y a le PN18. C'est bizarre. Parce qu'en fait, à Butry-sur-Oise, il y a 3-4 PN. Et là, c'est marqué PN19. L'indicateur. Et les quatre barrières. Et là-bas, on peut voir une locomotive de l'infra, là-bas. Attendez, je vais taper pas la selle de trépied. Regardez, je sais pas si vous voyez bien. C'est en jaune. Merci les copains d'avoir regardé cette présentation. J'espère que cette petite présentation vous aura plu, et surtout les lieux. Car si vous voulez spotter ici, n'hésitez pas à venir. Je vous dis merci d'avoir regardé, au revoir. On se revoit tout à l'heure. Le train arrive sur la voie 1. La barrière au fond là-bas, elle se baisse. Le PN se baisse. C'est quoi comme train? Nous avons une Z50 nuts. Pas encore. Donc un transilien. Allez, fais coucou. Avec moi. Allez, c'est bon. Un grand coucou. Il ralentit parce qu'il va s'arrêter en gare. Allez, train, klaxon. C'est une Z50 000 en unité simple. Vas-y, balance. Fret Colarail. Colarail. Donc voilà les amis, c'est la première fois que je filme ce train. Merci d'avoir regardé cette vidéo.